session d'ici peu là. Et je vais vous montrer comment préparer la game thermo. Parce que du coup, comme tout pêcheur, j'ai horreur de pêcher. J'ai horreur de relever ma canne et de pêcher la goutte d'eau. Et suivant le temps qu'on aura, les cannes peuvent pêcher durant quelques jours, 48 heures, 72 heures, ça me gêne pas. Souvent je fais attention de bien les déposer, donc normalement ça pêche toujours. Donc là je vais partir pendant 4 nuits, je pense je vais faire 4 nuits avec mon ami Simon. Et du coup voilà, j'espère qu'on arrivera à trouver une source d'alimentation des poissons. Qui est source d'alimentation des poissons, souvent en barrage, c'est les écrevisses. C'est les écrevisses. Si on veut pêcher pendant 48 heures ou 72 heures, et ben vaut mieux mettre ça. Donc je vais passer en 22, donc pour un diamètre de bille de 20, c'est très bien, ça se fait tout seul. Donc j'ai besoin d'un paquet de bait protector et des bouillettes, un réchaud, un peu d'eau. Du coup, je vais allumer mon réchaud. Là, ça va commencer à être pas mal. Donc, je mets la bouillette sur mon aiguille. Et j'ai juste à passer la gaine autour. Hop, je la fais fondre en fait. Et voilà. Donc, là, c'est complètement invisible. Et du coup, ça se fait très très bien. Donc, là, je rappelle, je suis en bouillette de vin. Et j'ai pris de la gaine en. J'ai pris celle-ci, donc la gaine en 22. Voilà, pour de la bouillette de vin. Ça se fait vraiment très très bien. Après, sur les plus gros appâts, là j'ai utilisé aussi sur le cours de la session de la 24 mm pour essayer de sélectionner un peu. Et du coup, j'ai utilisé la gaine en 32. Donc faut pas avoir peur, elles font très très bien. Ça gêne pas du tout. Voilà, ça se fait vraiment tout seul. Donc du coup, je préfère vraiment les préparer avant. C'est un gain de temps. Après, il y en a qui les mettent dans un petit pot, qui mettent des produits. Et après, ça, c'est à votre, je dirais à votre guise. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec. C'est vraiment très très simple. Et du coup, ça vous permettra de pêcher, être sûr de pêcher pendant un maximum de temps sans jamais ramener la canne avec l'hameçon, avec juste le bout de tresse qui pend. Alors ça, c'est vraiment terrible. À bientôt. C'est le premier poisson de cette session. Là, je fais une pêche avec mon ami Simon. C'est bien longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. Et du coup, voilà, on est arrivé il y a 2 heures. 2 heures et demie. On a vu des poissons au bord et on a eu la même idée tous les deux. On a posé une canne. Et du coup, elle a déroulé tout de suite. Donc en 1 heure à peine. Et après, je vais remettre la canne tout de suite. Et là, du coup, c'est à Simon de prendre. Je pense qu'on va bien rigoler. Encore 4 jours de pêche. Ça va être génial. Session depuis bien longtemps. Avec Gaëtan. On en est à 5 ou 6 heures de pêche en barrage. Cinquième renne. C'est tout le temps, mon gars. Grave.